Hi architects, today you're gonna watch a very interesting interview with Adeline Rispal. Adeline is a French specialist in scenography and museography, and she has founded her first company 30 years ago. This interview is in French, but don't worry, I've added some English subtitles to it. Before we start, don't forget to hit the subscribe button so you won't miss the next interviews and the next videos. So let's start this interview. Donc bonjour Adeline, merci de nous accorder cette interview. Tout d'abord, on voudrait savoir à quel moment et pourquoi vous avez souhaité devenir architecte. Quel moment c'est assez tard, mais le processus qui m'a amené à faire de l'architecture, en fait, est passé par d'abord par un contexte familial avec une partie de ma famille qui était dans ces questions-là, grand maître d'ouvrage à Barcelone, architecte, paysagiste. J'étais versée du côté de ma mère dans ces métiers-là et mon père est industriel dans la briqueterie et la tuilerie, donc je suis née dans une briqueterie. Et disons que le cumul des deux, d'un côté les travaux, la matière, les chantiers, les odeurs de camions, des camions qui passaient avec tous ces matériaux. Et de l'autre volet, le volet plus intellectuel, artistique, je crois que ça crée un creuset quand même assez riche pour aller vers des carrières comme ça-là. Alors après, pourquoi l'architecture plutôt? À vrai dire, je voulais plutôt faire du design et je voulais rentrer aux arts décoratifs. Mais j'étais assez hésitante et je venais de la province directement à Paris. Et on m'a dit, un ami architecte de ma sœur m'a dit, commence plutôt par l'archi, tu verras, c'est assez large et ça donne un cursus plus ouvert qu'une école de préparation aux arts déco. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, je me suis tellement régalée que j'y suis restée. Et quels sont les architectes qui vous ont le plus inspiré pendant vos études et votre carrière? Alors, il y a quelqu'un qui est indéniablement à l'origine de ma spécialisation dans le monde des musées, la muséographie, la scénographie. C'est Carlo Scarpa, avant j'étais très inspirée par des gens comme Alvar Aalto, comme tous ces grands maîtres de l'architecture de l'époque. Mais Carlo Scarpa était un déclencheur, c'est-à-dire que pendant mon diplôme que je faisais sur le thème de la matière, matériaux, matière, architecture, je suis allée visiter ses œuvres qui n'étaient pas connues à l'époque, mais il y avait un numéro d'AMC sur lui. Et je suis allée en Italie faire le tour de ses œuvres. Et j'y ai passé beaucoup de temps, et ça a été un déclic. C'est-à-dire que jusque-là, je ne voyais pas très bien vers quoi j'allais dans ces métiers-là. Je suivais une formation que je trouvais absolument pas bonne, je dois avouer. L'école d'architecture dans laquelle j'étais était vraiment avec des gens pas très intéressants, qui ne m'intéressaient pas en fait. Et là, j'ai commencé à m'intéresser, et ça a été un déclic. Donc je pense qu'on peut dire qu'il est à l'origine vraiment de ma spécialisation. Après, je suis tout de suite rentrée chez Jean Nouvel dès que je suis sortie de l'école parce que je voulais travailler chez lui. Voilà, c'est une espèce d'obsession. Et quand il m'a proposé, après avoir travaillé sur l'Institut du monde arabe, sur le volet bâtiment, il m'a proposé de projets sur la scénographie. Évidemment, j'ai accepté puisque ça rejoignait cette relation forte que j'avais avec l'architecture de Scarpa, et ça m'a permis de creuser les raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'architecture de Scarpa était intéressante. Et vous ne regrettez pas votre spécialisation aujourd'hui? Votre spécialisation vers la scénographie et la muséographie? Alors, je ne vois pas comment regretter une spécialisation qui vous ouvre à chaque projet sur un univers différent. C'est-à-dire, vous pouvez passer de la Première Guerre mondiale à l'art moderne et contemporain, en passant par les sciences, l'agriculture et l'alimentation, ou bien l'art islamique. Enfin, je ne vois pas comment on peut être enfermé là-dedans. C'est plutôt, je pense, une des spécialisations qui ouvre le plus. J'ai des amis qui font des médiathèques les unes derrière les autres et qui n'en peuvent plus de faire des médiathèques. Et en plus, on a été à l'export on n'avait même pas signé notre société en 90, on était déjà à l'export grâce au musée, puisqu'en fait, on avait été repérés par des gens sur ces questions-là tant qu'on était chez Nouvelle. Donc pour moi, c'est au contraire, c'est une ouverture au monde, à l'international, qui est extraordinaire, et c'est un petit monde qui tourne à l'échelle de la planète. On est dans les 300 entreprises qui font ça. D'accord. Et quand vous regardez votre carrière, quand vous la mettez en perspective, quels sont les plus grands accomplissements que vous ayez faits?
Alors, accomplissement, c'est un bien grand mot. Je crois qu'on ne sait pas toujours ce qu'on est en train de faire. On le fait par conviction et avec des convictions très profondes, oui, qui sont à la fois sur le plan éthique, philosophique, social, politique, personnel, évidemment, psychanalytique quasiment, puisque le musée, c'est vraiment un lieu parfait pour se soigner. Je sais que le premier projet qu'on a fait en tant que repérage, puisque ma société, ma première société fondée en 90 s'appelait Repérage, c'était l'historial de la Grande Guerre à Péronne. Ça reste un moment très important. C'était dans un bâtiment de Seriani, mais il y a eu un concours indépendant du bâtiment de l'architecture pour se désigner les scénographes. Et on a travaillé avec des historiens spécialisés dans la Première Guerre dès qu'on a gagné. Et d'abord, on avait travaillé avec un philosophe pendant le concours et après avec des historiens du centre de recherche. Ça a été une expérience inouïe parce que c'était travailler avec des historiens français, anglais, allemands sur l'histoire de la Première Guerre. Donc, c'était un conflit évidemment international. Et la richesse des échanges qu'on a eus, je crois que j'ai jamais eu un projet aussi riche. Et pourtant, on en a fait d'autres, des très riches, et qu'on revendique avec autant de force. Mais là, ça a été une expérience fondatrice, on va dire. Et à l'inverse, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez eues en tant que chef d'agence et comment vous avez réussi à les surmonter? Alors, la plus grosse difficulté que j'ai eue, elle a été assez terrible. C'était fin 2009, on s'est aperçu que notre secrétaire nous faisait des choses bizarres. Et on l'a mise à pied, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là, pour le temps de mener une enquête. Et en fait, on a été obligé de porter plainte au bout d'un mois. Et le procureur de la République a mené une enquête pendant 4 ans et demi. Ça a fait couler ma boîte. En fait, elle a piqué dans la caisse pendant 2 ans. Les comptables n'ont rien vu, le commissaire aux comptes n'ont rien vu. Elle a enfumé beaucoup de gens, c'est une mythomane. C'est des profils très caractéristiques de gens qui sont extrêmement brillants, qui ont un cerveau qui va très vite. Voilà, donc ma boîte a coulé, a été mise en liquidation judiciaire en février 2010. J'en ai recréé aussitôt une qui s'appelle Studio Adeline Rispal, qui est ma boîte d'aujourd'hui. Et ça a été un long chemin. Bon, elle a été condamnée très lourdement. Et voilà, donc ça, c'était horrible. C'est-à-dire, quand le problème vient de l'intérieur, c'est comme si le plancher se dérobait sur vos pieds. C'est vraiment le plus grand vertige que j'ai vécu. Je dirais, des problèmes avec des clients sur des chantiers difficiles, ça, j'en ai eu plein. On ne va pas les étaler tous là, ça n'a pas un grand intérêt. Mais ils sont très durs. Mais celui-là, c'est le pire, je crois, parce que c'est de l'intérieur que ça vous est. D'accord. On est Bon, on va reparti. passer à un autre sujet. On est reparti C'était de parti. assez perturbant, oui. On est Ok. reparti très vite, il faut être vigilant. En fait, quand on est architecte, il faut être chef d'entreprise. Il faut aussi être extrêmement vigilant. C'est difficile d'être tout à la fois. Vigilant sur ses chantiers, vigilant sur sa boîte. Mais je ne pense pas que j'ai manqué de vigilance, ce n'est pas la question. Ce sont des profils très atypiques Ouais. que la justice connaît bien. Voilà. On va passer à un autre sujet un peu moins délicat. Ça va faire peur aux jeunes architectes, mais bon. Bon, c'est les risques, oui, je pense. On ne peut jamais savoir sur qui on emploie, quel est leur caractère. Toute façon, une trahison de l'intérieur, ça m'est rarement arrivé, à part celle-là. C'est toujours difficile, voilà. C'est plus difficile encore que l'extérieur. L'extérieur, on est habitué à se battre, vous avez l'extérieur. Donc, il faut Et bien puis, changer. du coup, en parlant de l'extérieur, aujourd'hui, comment vous trouvez vos clients et est-ce que les réseaux sociaux vous aident? Ah, comment je trouve mes clients? Alors, la plupart des musées, des projets de musées sont quand même des projets publics, donc on passe par appel à candidature et concours. C'est vrai qu'on fait partie des shortlistés assez couramment sur des grands projets. Ça, c'est l'avantage de l'âge. Je sais pas, je trouve pas que ce soit très juste, à vrai dire, pour les jeunes générations, parce que je trouve que c'est trop sélectif. Je n'ai pas la recette. Une chose est certaine, c'est que les concours, je suis de plus en plus distante, si c'est possible, des concours. J'essaie d'en faire le moins possible. Il faut quand même en faire, bien sûr. On commence à avoir des commandes privées en direct, ce qui est quand même pas forcément plus simple, mais beaucoup plus agréable. On a moins l'impression de travailler pour rien. Ne pas pouvoir présenter les projets au jury, c'est absolument inadmissible. On se retranche derrière les questions européennes, bien sûr. Il y a une loi européenne, enfin, il y en a plein qui arrivent à la détourner.
Choisir des architectes, des scénographes, toute une équipe pluridisciplinaire d'environ 10 ou 12 boîtes, sans même recevoir les gens, un jury, je trouve ça un peu un scandale. Beaucoup de maîtres d'ouvrage publics le font, y compris les plus grandes maîtrises d'ouvrage aujourd'hui. Voilà, donc on essaie de développer plutôt le privé, l'international comme on l'a toujours fait. Et ça, c'est vraiment, c'est pas les réseaux sociaux, c'est les réseaux de compétences. Je pense que les réseaux sociaux ne capitalisent que sur la qualité. Vous serez connu que si vous avez un fond qualitatif. C'est pas parce que vous faites parler de vous sur les réseaux sociaux que vous allez avoir du boulot, c'est parce que vous faites un boulot de fond, un boulot de qualité, qui à un moment donné est repéré, reconnu, et qui peut effectivement, dans la connaissance et la diffusion, peut être amplifié par les réseaux sociaux. Mais la clé de la réussite, c'est de faire de la qualité. C'est le bouche à oreille des clients. D'accord. Et si demain, vous voulez développer encore plus votre boîte, de quoi auriez-vous besoin ? De financement, de vrais banquiers. De vrais banquiers qui travaillent avec des entreprises et pas des banquiers qui font semblant. Les TPE sont très peu soutenues. À l'international, je me suis retrouvée finaliste du musée du 9-11 à New York, finaliste du grand musée égyptien, enfin, je parle de scénographie là, le grand musée égyptien en face des pyramides de Gizeh, de choses qui sont liées à la France, mais ça c'est moins le sujet. Mais nos concurrents anglo-saxons, allemands, anglais, américains avaient les ambassades avec eux, les gens qui tiraient qui faisaient un lobbying d'enfer, qui finançaient des choses, qui recevaient les clients, qui les soutenaient. En France, on n'a rien. Quand on s'appelle TPE, vous pouvez aller voir qui vous voulez. On a fait le tour de tout le monde. Les gens vous regardent, ils attendent de voir ce qui vous arrive, mais ils ne font rien. Et donc, on n'est pas du tout soutenu. Voilà. Il n'y a que les grosses entreprises qui sont soutenues. Et c'est très dommage parce qu'on tirait quand même une dizaine de boîtes, là encore, avec nous, pour faire ça. On aurait tiré des entreprises françaises. Mais ça, c'est très dommage. Peut-être que ça va changer, on ne sait pas. On est en Chine en ce moment et on compte que sur nos forces. D'accord. Et du coup, pour finir, les conseils aux jeunes architectes. D'abord, quel conseil vous donneriez à un architecte qui a terminé ses études et qui se lance dans le marché du travail? Et ensuite, à un architecte qui, lui, veut monter sa boîte, mais a peur d'échouer? Alors, il faut savoir que quand on fait, on a toujours un risque d'échouer. Et c'est comme ça qu'on apprend. Apprendre, ça passe par l'échec. Il n'y a pas un enfant qui n'apprenne pas mieux quand il a échoué. Donc l'échec fait partie de la vie et c'est formidable d'échouer parce que c'est là qu'on apprend le plus. On apprend beaucoup plus que quand on n'échoue pas. Il faut lire, apprendre de André Jourdan. C'est un livre qui parle de pédagogie auprès des enfants, mais ça sert à tout le monde. Apprendre à apprendre, apprendre. Et c'est aussi à apprendre, ça veut dire accepter d'échouer, ça veut dire tenter des choses, ça veut dire se risquer. C'est tout le contraire de ce qu'on apprend à l'école. À l'école, on apprend au contraire à faire attention, on force le cerveau convergent à masquer et à neutraliser le cerveau divergent. Alors, le cerveau divergent, c'est celui qui vous rend créatif, qui vous rend intuitif, qui vous rend entreprenant. Et c'est la base de la créativité. Donc, si on est architecte, a priori, on a été formé à la créativité. Donc, a priori, on est un peu moins massacré que les autres grâce à l'architecture. Il y a des écoles d'architecture qui ne font pas ça. Moi, j'enseigne, je fais des conférences dans des écoles. En cinquième année, il y en a qui ne sont pas du tout encore créatifs vraiment au fond d'eux-mêmes, mais c'est le rôle de l'école, normalement, de développer ça. Et donc, échouer, ce n'est pas un risque. Échouer, c'est formidable. Ça veut dire qu'on a testé, on a tenté des choses. On se casse la figure, on remonte. Regardez, il y a 10 ans, vraiment, j'ai tout qui a coulé, parce que je ne vous ai pas tout dit, mais il m'est arrivé des choses sur le plan personnel, terribles aussi, en même temps. Et bien, je suis repartie, et ma boîte, voilà, elle a survécu, on s'est battu, j'étais très entourée. Ce sont les amis, ce sont la famille, évidemment. Des proches qui vous aident, des gens qui arrivent là, qui ont envie de vous aider, et tout le monde a envie de vous aider parce que vous vous relevez. Donc la ténacité, je crois que c'est la clé de notre métier. Et surtout, il faut tenter les choses, il faut inventer, là, il y a tout à inventer. Notre génération devait se battre pour réinventer le monde. Celle-ci est sommée de réinventer le monde. Donc il faut avoir un cerveau, il faut s'éduquer, il faut beaucoup lire, il faut écouter les gens qui aident à réfléchir dans d'autres disciplines, évidemment, que l'architecture. L'architecture ne peut pas se nourrir que d'elle-même. L'architecture, elle se nourrit de tout. Et ça, c'est très important, être ouvert à d'autres disciplines, les sciences dures, les sciences sociales et humaines. Très important.
D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. J'espère que ça aidera de nombreux jeunes architectes et peut-être qu'ils deviendront scénographes comme vous. Du coup, on mettra bien entendu tous les liens de votre site, de vos réseaux sociaux dans la description. Et donc voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au Au revoir. revoir, Adeline.